L'humanité entière célèbre chaque 1er juin la journée mondiale des parents. C'est l'ONU qui est à l'origine de cette journée. Elle vise à mettre à l'honneur les parents du monde entier. La responsabilité première des parents a été de prendre soin des enfants, les protéger et leur assurer un développement harmonieux. La famille doit garantir aux enfants un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, leur permettre de grandir et les rendre aptes à affronter l'avenir. Au Congo, les parents se réjouissent de cette journée et prennent toutes leurs responsabilités. Je suis une mère de 6 enfants. Il y a des parents qui élèvent bien leurs enfants. Tout parent qui met son enfant au monde, il le porte, il l'élève, l'enfant grandit. Ce qui veut dire que les parents ont aimé les enfants. Je suis parent, j'ai 6 gosses, 3 filles, 3 garçons. Non, je suis très fier de mes enfants. Et je me dis même que c'est ce que je voulais de mes enfants, c'est ce qu'ils sont devenus. Et ils me rendent honneur. Chaque dimanche, je suis à l'école. Je suis père de 11 enfants et comme vous le savez, chaque parent a toujours l'obligation, non, le devoir, mais le devoir d'éduquer, d'encadrer, d'orienter les enfants sur tous les points scolaires et spirituels. J'ai un enfant. En fait, que je m'occupe pas mal de ma fille. Le peu que je gagne, c'est ce que je fais avec. Donc, avec le temps, Dieu va faire plus que ça. Les enfants, j'en ai pratiquement 8. Bon, d'abord, avoir les enfants, c'est d'abord une fierté. Parce que quand il naît, il doit avoir les enfants. C'est d'abord une fierté pour moi, d'avoir les enfants. À noter que bon nombre des parents ignorent cette journée.